Salut à tous, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une nouveauté et aujourd'hui on va célébrer les 25 ans de la licence Pokémon sur la chaîne en unboxant différentes petites choses qui sont sorties pour donc la célébration de ces 25 ans et on va commencer aujourd'hui tout de suite en unboxant cette petite valisette tout de suite après le générique. Donc comme je vous le disais, on se retrouve pour l'unboxing de cette mini boîte. Donc boîte assez complète hein, pour le prix. J'ai payé 31 euros chez Cultura. Donc on retrouvera dedans 6 boosters de 4 cartes concernant l'extension entre guillemets célébration pour les 25 ans. On trouvera 2 boosters supplémentaires, 3 cartes promo brillantes et pas mal de petits accessoires qu'on verra tout au fond de la box. Et lors de cet unboxing, on commence tout de suite par ouvrir donc la petite box. Donc je l'avais prédécoupée hein, parce que sinon c'est vraiment pas ouvrable. Hop, au revoir le petit sachet. Donc on retrouve toujours donc avec le listing juste ici et ensuite donc directement la petite box en mode boîte à goûter. Voilà, donc dans laquelle on va tout de suite tout retrouver. Donc tout de suite, donc sur le dessus du paquet, on va retrouver nos 3 cartes promo brillantes hein, et ainsi que le jeton. Donc, je vous montre le jeton pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà. Et on va faire donc les brillantes. Donc celle de Mimiki, très jolie. Celle de Salarsen lumineux ainsi que celle de Trioxydre C. Ensuite donc sur l'étage d'en dessous on va retrouver donc nos 2 boosters supplémentaires, donc le booster Reine de Glace et un booster style de combat. Donc on va ouvrir juste après. On aura également, donc je mets ça sur le côté, donc nos 6 boosters de 4 cartes de célébration, hein, qui est le pourquoi j'ai acheté cette box. Et ensuite, on va retrouver donc des planches de stickers qui sont plutôt bien faites pour le coup. Donc représentant le Pikachu et les 25 ans. Voilà, donc de multiples planches de stickers. Ensuite, en dessous, on va retrouver donc notre petit carnet. On peut voir ici un peu mieux en gros plan. Et donc le mini portfolio. Donc vraiment un mini portfolio. Hein, je suis pas sûr qu'il serve à beaucoup de gens. Donc qui sert pour ranger les cartes préférées de l'extension. Et un mini dépliant, donc voilà, qui reprend les spécificités des 3 cartes Pokémon promo. Donc voilà pour la box. Ça fait une jolie boîte. Elle est de. Bon, c'est une boîte en métal, hein, bonne facture. Moi, il y a de très fortes chances qu'elle se raye très facilement. Donc quand même malgré tout à prendre soin. Mais un bel item pour célébrer les 25 ans. Donc voilà, on va continuer tout de suite avec le premier booster. Donc on va ouvrir le booster Règne de Glace. Alors, on commence tout de suite avec un Ramolos de Galar, Krabagar, Stalgamin, Aspicot, Morpheo, une énergie plante, Kirlia, Agatha Endresseur, Adrian et Kecléon. Et enfin la dernière carte, le Zarude en holo.
On enchaîne tout de suite avec le booster style de combat. Et c'est parti. Pstigri, Lixi, Larvadar, Scalpion, Ferro-Singe, une énergie métal, Pérégrin, Moustard, Nosferalto, Sarah en reverse et Tocotoro. Bon, on va continuer et commencer tout de suite avec ce qui nous intéresse, l'ouverture des 6 boosters célébration pour les 25 ans. Et on commence tout de suite avec le premier booster. Donc Reshiram, Palkia, Dialga et un Pikachu VMAX volant. Donc bien sûr, je mettrai tout ça sous sleeve. Palkia, Karchakrok, pardon, C et un Zamazenta V. Kyogre, Groudon, Cosmovam et un petit Mew. Elle est vraiment jolie, j'aime beaucoup l'illustration. Il est vraiment sympa. On enchaîne tout de suite, il reste plus que donc 3 boosters. Groudon, Xerneas, Kyogre et un Pikachu Surfer. On continue avec l'avant-dernier booster. Dialga, Zekrom, Luxray, qui est vraiment très très joli. Elle est très 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 jolie. Je sais pas si le rendu rend vraiment bien la caméra, mais en tout cas, le rendu est vraiment exceptionnel. Et encore un Pikachu volant VMAX. On va les mettre ensemble. Et enfin, déjà le dernier booster de cette ouverture. Donc Zekrom, Reshiram, Noctali. Il est magnifique. Il est franchement, franchement magnifique. Et Solgaleo. Donc voilà, c'en est tout pour l'ouverture de cette mini display, on va dire entre guillemets, donc de cette mini box. Je suis vraiment très content du tirage. Donc déjà, bah, le Noctali. Hein, qui est là. Vraiment une très très belle carte. Forcément la mise au point va pas se faire. Vraiment une très très belle carte. Et je suis très content du reste. Donc je vais vous mettre tout ça ici. Donc le Pikachu VMAX. Le Luxray qui est magnifique également. Le Zamazenta V. Un Pikachu Surfer. Et donc le Noctali qu'on va mettre au-dessous du deuxième Pikachu qui est en double. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo unboxing Pokémon. J'espère que cette nouveauté sur la chaîne vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.